Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le compte de Lika. Donc une vidéo où on va tester la compo PK double prince. Donc on espère que ça va être du lourd. Alors vous avez vu le niveau de ses troupes, c'est vraiment du lourd. Donc presque niveau 6. Il lui manque pas grand chose pour que ça soit niveau 6. Il lui faudrait un autre petit pack opening de 3-4 coffres. Ouais, il y a déjà beaucoup d'épiques niveau 6. Hein, voilà, avec un petit shop et tout. Donc, vu que le PK était EP et que le prince ténébreux aussi, alors normalement ça va être du lourd, on va tester ça de suite. J'ai testé ça un peu avant et ça donne vraiment. C'est super, mais bon, quand il a la tour de l'enfer, c'est un peu plus dur. Allez, c'est parti, on va faire 2-3 games. Alors là, on va lui donner la boule de feu, le géant aussi. Hop, et c'est parti, donc combattre. Alors. Si on arrive à bien placer le PK double prince, ça va faire très très mal. Mais comme vous savez, j'ai pas l'habitude du tout d'utiliser l'extracteur. Donc bon, on espère que ça va bien donner. Alors déjà, il commence avec une mousquetaire. Nous, on a un mousquetaire. Ah oui, on a un mousquetaire 8. Bah oui. Forcément. Ah d'accord, donc le mec fait comme ça. Ok. Donc nous, on va lui mettre un petit prince. Ah, ça bug un peu. Ouais. Hop, je pense que ça devrait être bon. Ah. Ouais, pas besoin de trucs. Donc, la mousquetaire s'en occupe tranquille. Niveau 8, c'est vraiment magnifique. Hop, on vient placer le PK tranquillement là-bas. Donc là, il est mis un zap parfait. Donc du coup, il a plus de trucs pour nous contrer. Alors par contre, on a plus d'extracteur non plus. Je sais pas si elle est très très bonne idée de lancer direct maintenant. Mais ça, c'est, on verra. Bon, on va voir. C'était peut-être pas une très très bonne idée. Non, si. C'était pas une bonne idée. Non, c'était pas une bonne idée. Ça a rien fait du tout. Ouais. Ok, c'était nul à chier. Donc on va replacer, il nous faut au moins 2 extracteurs je pense. Et on va plutôt lancer dans l'extra time, là on va se contenter de défendre parce que là c'est vraiment de la merde ce qu'on a fait. Ok, donc on repart à 0. On pose l'extracteur. On attend qu'il lance, voilà, il va lancer son géant comme j'avais prévu. Alors là par contre... Mais on a qu'à défendre avec le pick-up. Pour défendre, on va mettre un petit prince. Là en fait on n'a pas 36 000 solutions. Hein. Mais les gobelins, il y a mini PK derrière. Ah oui, il y a mini PK. Ok, le travail est fait. Ouais, la contre-attaque. Boum. Zap. Boum, zap. Sorcier de glace encore. Hop, oh là là, le punch des princes. Le PK qui arrive, oui c'est l'attaque. Ah ben c'est un peu nul mais ça va. On a réussi à lancer un punch. Alors attendez, on va poser l'extracteur. Ah il chie avec son géant. Il met tout le temps. On va poser le prince. Vas-y défonce. Ouf. Ah c'est bon. Il est sur les mousquetaires. Non, on va pas se presser. Ok. On va poser le PK. Oui. Oh non le punch. Ah oui, donc c'est bon, c'est le... Oui, c'est le punch sur le... Oui, impeccable. Magnifique mousquetaire, niveau 8, elle est vraiment exceptionnelle, je l'adore. Niveau 8, elle est géniale. Hop, allez, on lance le punch, il pousse le PK. L'autre prince, allez. Sort de zap. Pof. Sort de zap, on met l'autre prince, on fait le punch, oui. Il n'y arrive plus. Ah ouais, yes, boum. Très bien. Vous voyez la puissance quand ça passe. On peut pas contrer ça. C'est quasiment inarrêtable, c'est génial. Allez, un coffre en or, ok. Donc là, on va gemmer le coffre en argent. Hop, on va lui remettre. Hop, voilà. Et c'est parti. Ce qu'on va essayer de faire, c'est débloquer le coffre à couronne. Donc, pour le débloquer, on va tout simplement faire les 2 étoiles. On va essayer. C'est dur. Alors... Ce qu'on va faire,
On va poser l'extracteur. Ok, encore un deck géant, sauf que là, il est géant niveau 8, donc c'est pas pareil. Donc je pense qu'il va avoir la mousquetaire derrière, comme d'hab. On va voir ça. Ok, donc là, on pose le sorcier de glace. Ah non, lui, il a bûcheron. Ok. Ouais, c'est chiant le bûcheron. Ouais, c'est plutôt chiant le bûcheron. Non, 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 viens pas péter ça. Voilà, moi je te pète. Ouais, voilà, ça c'est bon. Comète gobelin, si tu veux. Ouais, des princes. Et si on peut lancer un petit punch. Ah, il truc. Oh, oh ça, non. Ça. Pas mal de dégâts. Sorcier de glace, sorcier de glace. Ok, donc on est plutôt bien, on peut le dire. Ouais. Je posais l'extracteur de l'autre côté. On lui a fait quelques dégâts à sa tour. Environ 1000 dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Ah, ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Il a ballon. Ça, on avait pas prévu, hein. Ah oui. D'accord, donc là il a ballon, c'est pas... Bon, il va nous faire des dégâts. Hop. Il nous a fait mal. Pas. Ah, le... donc là, oui, oui, oui. Lance un punch sur lui, oui, impeccable. Et là, là, lance un gros. Voilà, oh, un punch. Voilà. Impeccable, oui. Impeccable. De l'autre côté. Et donc coup, là, c'est parti. Bon, il faudra pas, il faudra quand même finir la tour. Oui, en fait, c'est un peu con ce que je viens de faire. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je t'écoute? Il a 2400 trophées, faut jamais l'écouter. Ouais, c'est un bah non, c'est juste que moi, je finis avec le mineur. Non, je rigole, mais là, du coup... Bah, c'est pas grave. Ah, c'est bon, c'est bon. Il a pas défendu. Bah, j'ai la chance qu'il a pas défendu, parce que... Faut m'écouter, j'ai 2400 trophées. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, parce que là, du coup... Hop. Le sorcier de glace, tu pouvais toucher les gargouilles, s'il te plaît. Oh, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Oh, ok, donc il... l'extracteur, quand même. Oh, mais t'inquiète, je le mets là. Ah, ok. Comme ça, il assure. Alors là, ce qu'on va faire... Toc! Moi je te mets ça! Ok, d'accord, ça servait à rien. Oh le salaud! C'est beaucoup trop fort le bûcheron. Ouais, le bûcheron maintenant. Pouf. Ça, avec Lucas, il faudrait essayer de faire un deck bûcheron parce qu'en plus il y a bûcheron 2. Tout c'est vraiment très fort. Oh non! Il reste des gargouilles, mais non! Mais non, mais non, il reste des gargouilles. C'est pas possible. Oh, je crois pas. Alors là, on va essayer de lancer un gros punch parce que du coup, on a les deux extracteurs qui arrivent. Ok, donc là, il a mis ballon. Ok, donc là. Oh non, il met géant. Il met géant. C'est non, bien. Tire pas une autre fois. Oh yes, c'est bon. C'est bien passé. Le problème. Oh. Double PK, vous connaissez? Voilà, double PK. Mais mousquetaire, il va te mettre. Ouais, je sais. Voilà, double PK, hop. Est-ce que ça va faire quelque chose, double PK? Je sais pas, parce que là, là... mes princes, mes cachots. Mes princes ténébreux. Hop, hop, hop. Faut accumuler comme tout à l'heure. Ok, 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 le punch est lancé, regardez la masse. Et voilà, c'est fini. Boum. Yes. Boum. Magnifique, magnifique. À 5 secondes de la fin. Ah, j'adore, franchement, c'est vraiment j'adore. Génial. Hop, plus 29 trophées. Donc du coup, on va ouvrir le coffre à couronne. Et on va essayer de lui faire notre combat aussi. Donc, 539 d'or, 2 gemmes. 24 barbares, non, 43 Tesla. C'est et c'est la légendaire ou l'épique. 8 roquettes. Oh, bon, ça, c'est la merde. Ouais. Attention, attention, suspense. Vous vous souvenez que sur ce même compte, on a eu une légendaire sur un coffre en bois. Attention. Ah, l'épique et la sorcière. C'est bien, c'est bien. La sorcière qui est à niveau 10, 6. Donc du coup, c'est pas mal du tout. Allez, on va essayer de refaire. Ouais, allez. Okay. Une dernière attaque. Oh, ouh, il est 3374. Ah putain, j'ai dit qu'il me gratte, oui. Alors. J'espère que c'est pas un. Même si on perd, c'est le dernier combat. On a une autre. Ok, bon. D'accord. Donc il a. Jean Royal. Il défend pas prince ou mousquetaire. Donc,
Quel message, je sais pas pourquoi elle a mis ça. Ah oui, le salaud. Oh putain, Ah ouais, parce que du coup, maintenant, du coup, ouais, c'est ça. C'est que j'ai du mal à défendre contre ça, du coup. on a eu mal. Ok, donc là, j'en ai un peu chié. Ok, mais normalement, on devrait pouvoir lui lancer un gros punch après. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement commencer dès maintenant. Voilà, comme ça, le PK est là. Et du coup, ça va être la confrontation PK, PK géant royal. Donc, autant dire que c'est PK qui gagne. Vu qu'il a le barbare, on va les mettre. C'est pas un abus, ça fait pas de dégâts. Ah, ok, d'accord. Freeze! Ouais, il y a eu un bug. Par contre, s'il défend pas, il est. Bah, là, il peut pas trop là. Oh, si le PK pouvait tirer. Tire un coup, tire un coup! Yes! Putain, magnifique, magnifique. C'est vraiment génial ce bug. Ouais. Oh, le PK a tiré un coup aussi là, magnifique! Oh là là! Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va pas se presser, on va pas se presser. Parce que de toute façon, il a le géant royal, il va le remettre. Voilà, il va remettre son géant royal. On va. Donc, déjà ok. Ouais. Ouais. Ouais, il va nous faire un tour de toute façon. Ok. Ah, ok, d'accord, le mec lance ça là. Ok, donc ça, c'était un truc pour rien. Ok, donc on va essayer de reconstruire une attaque bien. Ah oh, putain! Il lance là, c'est trop chiant. Ouais, on peut rien faire. Mais vous savez quoi? On va partir du côté où il part lui. À droite. Donc c'est-à-dire on va partir là. Alors. Ouais, un extracteur, il faut mettre un extracteur. Ouais, c'est difficile. Oh, le non PK part de l'autre côté! C'est pas possible! Il part de l'autre côté avec les autres, mais non! C'est pas possible, c'est pas possible. Oh, mais regardez-moi ce PK là qui part de l'autre côté. Mais essaye de lui mettre un peu. Mais tu réfléchis, toi? Ah ouais, dommage. Ah, c'est fini. J'arrive pas à défendre contre les barbares et le géant royal. Bon, ben voilà, faut. Mais je sais pas trop jouer ce deck encore. Hein. J'ai. Bon, quand même, c'est mieux parce qu'on a fait deux victoires voilà, et une défaite. Voilà, c'est ça. On a, il était vraiment testé pas mal de trucs et c'est vraiment un énorme deck. S'il est bien utilisé, il est vraiment. Il est quasiment imbattable. C'est un truc de fou s'il est bien utilisé. Ouais. Voilà, donc. C'était une vidéo pour vous. Ben, pour essayer ensemble le PK Double Prince qui est vraiment. Génial maintenant qu'il a été EP. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, on arrive bientôt à 200 abonnés, donc merci beaucoup. Et donc, on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao!